chers amoureux, bon après-midi. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur MyAfrica TV. Dans le cadre de votre émission, le Ranka. Le Ranka a pour mission d'aller prendre chez les jeunes qui ont naturellement marqué l'époque ou encore qui sont en train de bâtir les chemins. Nous sommes cet après-midi à Makepe où nous allons rencontrer un ingénieur en peinture de bâtiment. Lui, c'est Boum Zamakwe Ronald Pacom qui va certainement nous donner un peu dans sa carrière. Allons ensemble puiser. Mesdames et messieurs, comme annoncé tout à l'heure, nous sommes à présent dans l'un des chantiers livrés par, ou encore qui est en train d'être livré par Boum Zamakwe Ronald Pacom. Ici, nous l'avons en face de nous. Pacom, bon après-midi. Bon après-midi à vous et merci pour l'invitation. En fait, c'est nous qui nous déportons vers vous. Je dis merci pour m'avoir proposé votre invitation. Ouais, merci. C'est naturel parce que quand nous voyons des jeunes qui excellent dans les domaines comme... qui sont même autonomes, nous avons l'obligation d'aller vers eux puiser pour inspirer d'autres jeunes. Bien. Alors, ingénieur en peinture de bâtiment. Peinture de bâtiment, c'est quoi? En fait, la peinture de bâtiment, comme vous l'avez dit, c'est une peinture qui concerne le bâtiment en temps réel. C'est-à-dire que après que le gros œuvre soit fait, le crépissage également, nous pouvons procéder par les enduits. Ensuite, peinture, que ce soit le plafond, que ce soit les murs et que ce soit les espaces en vitre, en verre, comme vous avez vu ceci, qui n'est pas encore totalement livré. Pour un immeuble comme celui-ci, ça prend combien de jours pour la peinture? En fait, nous ne parlons pas en termes de jours, mais en termes de mois. Combien de temps, en fait? Combien de temps? Maximum, tout dépend de la capacité financière du maître d'ouvrage. Il y a des maîtres d'ouvrage qui ont l'argent posé, il y a d'autres qui n'en ont pas. Donc, tout dépend de la possibilité financière. Et si le maître d'ouvrage, vous mettez tous les matériels ou les matériaux en place et vous offrez, ou encore, vous donnez la possibilité de prendre 150 ouvriers en une journée pour livrer? C'est pas possible. C'est pas possible déjà parce que une peinture, pour qu'elle soit parfaitement bien faite, il faut un nombre de jours, il faut respecter le temps de séchage, etc. Donc en une journée, c'est quasi impossible. Le temps minimum, c'est combien? En fait, tout dépend de quel type de peinture nous faisons. Pour une peinture comme celle-ci en solution aqueuse, une peinture qui se fait de façon, je vais dire dans les respects de l'art. Ouais. Bon, c'est-à-dire que nous devons prendre une journée pour la préparation des surfaces. Le jour suivant, si on va poser les enduits, on pose les premières passes d'enduits qu'on va attendre également le lendemain, 24 heures après, on revient poser les deuxièmes passes d'enduit et ensuite une autre journée, on laisse. Le jour d'après, on va faire les premières poses de ponçage, on fait le ponçage. Après le ponçage, on va poser la première couche de peinture et le jour suivant, la dernière. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ingénieur en peinture, ingénieur, ça prend combien de temps? Bon, dans mon cas d'espèce, ça m'a pris exactement 4 années de formation, en bonne et due forme, 4 années. 4 années sur place où on a pris l'oiseau? Naturellement l'oiseau parce que c'est un secteur d'activité que nous ne faisons pas chez nous ici. Justement, nous ne faisons pas ça ici. Mais tout a commencé. Comment s'est fait de la formation? Bon, en fait, la formation, tout a commencé ici au Cameroun. En fait, plus précisément dans le sud-ouest du Cameroun, dans la ville de Boya. J'ai l'un de mes oncles qui fait les travaux publics. Ouais. Il a gagné un marché à cette époque-là du côté du ministère du Tourisme à Boya. Et naturellement, comme je m'intéressais déjà à la peinture, il m'a confié les travaux de finition en peinture. Bon, chose étant faite, j'étais en train de travailler et puis soudainement, il y a un monsieur qui est arrivé, Mr. Henry. C'est un encadré du côté de l'Université de Californie, dans le domaine Californie. Ouais, du côté de l'Université de Californie. Déjà, permets-moi de ce côté de Californie, on va saluer Cola Ziaco qui nous regarde. Bon, un encadré de l'autre côté de l'Université de Californie. Bon, c'est comme ça qu'il est venu vers moi, il est passé voir comment ça se faisait, ce que je suis en train de faire. Bon, déjà, là, j'apprenais sous le tas. C'était un domaine que j'aimais bien, j'apprenais sous le tas. Et puis, il est venu, il m'a dit, bon, tu as quand même une façon de faire qui n'est pas mal. Si on te perfectionne un peu, tu peux être excellent dans ton domaine. Ouais. Bon, c'est comme ça qu'il a pris sur moi de rencontrer d'abord mon oncle qui était à cette époque-là celui qui a gagné le marché, dans le contracteur et qui a gagné le marché des travaux publics. Et c'est comme ça, mon oncle, il a posé avec mon oncle, comme c'était des anglophones, tous deux.
Ils sont accordés et c'est comme ça qu'il a lancé ma procédure. Tout d'abord ici en ligne et ensuite j'ai continué ma formation de l'autre côté, comme je vous disais à l'entrée du jeu. Exact. Voilà. Quelle était la partie la plus compliquée dans la formation? Bon, justement, c'était toujours la formulation. C'était la formulation, cette branche de la chimie, parce que la formulation implique directement la chimie. Mmh. Parce que cette branche de la chimie qui permet de mélanger plusieurs matières premières pour obtenir un produit fini qu'on peut directement trouver dans le commerce, comme un shampoing ou comme dans notre contexte, une peinture. Bon, c'est ça qui était la partie la plus compliquée parce qu'il faut respecter, il y a les calculs, etc. Il y a des normes qu'il faut maîtriser. Aujourd'hui, on peut déjà faire combien de types de peintures, on peut fabriquer combien de types de peintures? Bon. Parce qu'il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent que ce sont les peintures faites par toi-même. Justement. On n'a pas acheté ailleurs pour venir peindre la maison avec. Non, non. Bon, ici, là, pour le moment, nous fabriquons déjà trois types d'enduits. Les enduits en solution naturellement aqueuse. Nous fabriquons trois types d'enduits aqueuses. Nous avons des enduits directs, des enduits, deux types d'enduits directs, bon, qui est comme équivalent sur le marché à des enduits pour les peintres qui connaissent le suco, deux types de suco et un type de pontiquat qui est un enduit additionnel qu'on mélange avec du ciment, exactement, pour permettre au mur d'être suffisamment lisse, comme vous voyez là, avant de poser la peinture finie. Ouais. Exactement. Voilà. Quel est ton plus grand exploit dans le domaine? En fait, mon plus grand espoir et mon souhait, c'est de créer une structure. Je voulais dire ta plus grande réalisation. En fait, ma plus grande réalisation pour le moment, c'est ça reste et ça demeure au sud-ouest du Cameroun, dans la ville de Limbé plus précisément, à Limbola, pour ceux qui connaissent. Donc, quelque part dans le sud-ouest à Limbé, Limbola. Bon, c'était un marché où le maître d'ouvrage, en fait, il avait confié à une société de la place. Bon, après quelques mois, il a constaté que la peinture s'est décapée sur ses surfaces murales. Bon, puis, je rappelle que le monsieur vit aux États-Unis, le maître d'ouvrage de ce bâtiment en question. Ouais. Il vit du côté des États-Unis et puis, je ne sais pas comment il est tombé sur mon encadreur. Et puis, mon encadreur m'a confié, mon encadreur a parlé au monsieur qui a un jeune de ses formateurs qui est déjà, justement, exactement. Et puis, c'est comme ça que le monsieur m'a contacté pour ses travaux. Nous avons fait un devis estimatif et nous sommes mis d'accord. Et jusqu'ici, il ne se plaint pas. Les travaux ont été déjà livrés il y a quelques années. Ah. Exact. Et maintenant, on dit souvent que c'est via les œuvres forcément qu'on fait appel ou qu'on gagne notre marché. Est-ce qu'on a, tu as déjà eu des coups de fil venant des clients qui, de passage, quelque part, ont vu l'une de tes réalisations? Exactement. J'ai eu quelques coups de fil parce que je vais être honnête. Jusqu'ici, je n'ai pas encore 30 réalisations. Jusqu'ici, je n'ai pas encore 30 réalisations. Mais le peu que j'ai sous la main, j'essaie de laisser mes marques. En fait, c'est-à-dire que je laisse une marque vraiment très particulière, de telle manière que quand un client est intéressé, il m'appelle et puis on lance le projet comme on peut. Exactement. Voilà. Quels sont les projets de Pacom dans 2 ans, 1 an, 3 ans? Bon, mes projets, en réalité, c'est, comme je disais peut-être à l'entame, de créer une peinture 100% made in Cameroun. Quand je parle d'une peinture 100% made in Cameroun, c'est parce que pour le moment, nous dépendons encore, les matières premières, nous dépendons encore de l'étranger, c'est-à-dire nos résines, par exemple, viennent peut-être de la France, etc. Ouais. Donc, nous voulons créer une peinture 100% made in Cameroun, c'est-à-dire que nous aimerions utiliser comme résine, par exemple, l'EVA du sud-ouest du Cameroun pour faire des résines et utiliser comme charge la farine et respecter la formulation dans les respects de l'art, et je pense que ça va tenir. Dans tous les cas, si j'ai peut-être un enfant à la maison qui voudrait se faire former dans la peinture, je fais comment? Bon, en fait, pour la formation, nous octroyons des formations de qualité, c'est-à-dire des formations dans la formulation, comme je disais tantôt, et dans l'application, exactement. Bon, concernant la formation, ce que nous faisons généralement, c'est si c'est pour la formulation, parce que la formulation, elle est la part en peinture de bâtiment, la formule, comment formuler les différents types et qualités de peinture. Et maintenant, pour la formation applicationnelle, elle aussi à part. Ça prend maximum 5 mois chez moi, la formation applicationnelle. Et la formation formulationnelle peut prendre dans les 1 an et demi. Donc, si j'ai un enfant qui voudrait, par exemple, se faire former dans la peinture, formulation, il faudrait me préparer à 2 ans par là. Exactement. Et ces 2 ans, ça peut me coûter combien? Bon, tout dépendra de votre capacité, de la capacité de votre enfant, autant pour moi, à
acquérir des connaissances. Mmh. Donc il faut préparer une somme minimum de 500 000 francs. Pour la formation. Aussi, c'est vraiment une modeste somme, c'est une somme vraiment très simplifiée. Ouais. Donc ça ferait toujours un plaisir de passer chez vous pour naturellement faire inscrire un enfant. Et maintenant, vous êtes situé où? En fait, pour notre situation, nous sommes présentement à Makepe. Mmh. Et Makepe, à quel niveau à Makepe déjà? Au niveau, pas très loin d'entrée Marie-Mère, dans la rue Marie-Mère. Marie-Lumière. Marie-Lumière, autant pour moi. Et du côté de Atlantic, en face d'Atlantic Bank à Bonapriso. Mm-hmm. Bon, vous pouvez trouver nos responsables là-bas. Aussi, c'est aussi important de laisser les contacts pour nos amis. Bon, justement, pour le moment, nous avons un contact qui est totalement fiable. C'est le 656 34 06 12. Mm-hmm. Donc, c'est aussi WhatsApp. Il faut réitérer. Temps. Bon, justement, je disais, c'est le 656 34 06 12. Donc, c'est le numéro le plus pratique. Mm-hmm. Et quelles sont les difficultés au quotidien? Bon, les difficultés au quotidien sont vraiment multiples, les difficultés en fait. C'est, tout d'abord, c'est avec la pandémie du Covid qui sévit dans presque dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. Mmh. Bon, pour le moment, notre préoccupation majeure, c'est la presque absence des matières premières, parce que nous fabriquons nous-mêmes nos produits. Ouais. Et les matières premières viennent de l'autre côté, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué en ce moment. Bon, tous les fournisseurs nationaux sont en rupture de stock dans la quasi-totalité des ingrédients, que ce soit le carbonate de calcium, que ce soit le dioxyde de titane ou les résines acryliques, tout est carrément sec, le marché est sec. Bon, on peut dire, s'il faut regarder la caméra et après dire un grand merci à une personne, ce serait qui? Bon, en fait, s'il faut regarder la caméra et dire un grand merci à quelqu'un, je dirais grand merci à mon cadre, Mr. Henry, du côté de l'Université de Californie aux États-Unis. Donc, c'est lui qui a carrément assuré la quasi-totalité de ma formation. Donc, il est quand même un second papa pour moi. En fait. Ouais. Donc, je lui dis éternellement merci. En off, tu m'as parlé d'un oncle là, qui également a assuré pour ce qui concernait la pension. Justement, je parlais de Kembo Etienne Difor. C'est mon oncle et en fait, c'est lui également qui a permis en sorte que cette formation soit effective, parce que la formation, c'est bien beau. Bon, maintenant, il faut les moyens, parce que l'école, de l'autre côté, là, ça coûte vraiment de la peau des fesses. La une formation américaine, elle coûte vraiment excessivement cher et c'est lui qui a pris en charge, donc, celui de financer la quasi-totalité des études. Donc, je lui dis un merci infiniment. Lui, il sait que je tiens toujours à cœur. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qui peut amener, par exemple, un client à laisser toutes les grosses maisons avec les gros noms pour se diriger vers Zamakwe? Bon, en fait, comme je vous le disais aussi en off, vous savez, dans ce secteur d'activité, la formulation est extrêmement importante, la qualité, la formulation. Donc, savoir, vous savez, généralement, je prends souvent l'exemple de la nourriture que nous cuisinons. Mmh. Une bonne sauce, elle est facilement dégustable par tout le monde. Lorsqu'une nourriture est bien faite, lorsqu'une sauce est bien faite, bon, quand chacun mange, il se sent extrêmement satisfait. Bon, justement. Bon, pour ce qui peut motiver un maître d'ouvrage à nous confier ses travaux, c'est non seulement nos prix qui sont assez abordables et la qualité de nos produits sont impeccables. Ça, je vous le dis sincèrement, la qualité de nos produits, parce que non seulement ils respectent nos produits, ils respectent la norme standard mondiale. Et en plus de ça, ce sont des produits qui ne contiennent absolument pas de solvants toxiques, parlant de nos peintures en solution aqueuse. Nos peintures en eau contiennent absolument pas de solvants toxiques et ne dégradent pas l'environnement. Et le prix, c'est absolument abordable. Ouais. Bon, quand on dit que ça ne contient pas d'ingrédients toxiques, ça voudrait dire que si on fait la peinture sur une maison aujourd'hui, demain, je pourrais déjà intégrer? Mais même avant demain, même aujourd'hui, là, toujours pouvez intégrer. Vous laissez juste le temps de séchage normal, que ça sèche normalement et puis vous intégrez. Vous n'avez pas de problème. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on dit pour sortir? Parce qu'on est arrivé presque au thème de l'émission. Bon, pour sortir, je dirais, je lance un
un message très fort aux maîtres d'ouvrage de notre pays et peut-être même d'Afrique en général, ouais. De nous confier les travaux, que ce soit des réflexions ou des travaux d'aménagement en peinture de bâtiment. Vous savez, la peinture de bâtiment, c'est un secteur d'activité qui est en train de prendre de l'ampleur parce que les Africains et les Camerounais en particulier ont compris que la peinture, c'est un art. Il est bien vrai que c'est un art américain, mais il prend de l'ampleur ce nom. Donc du coup, chacun essaye de mettre la peinture, une couche de peinture chez lui. Pour ceux qui ont encore un peu plus de moyens, ils essayent de faire un traitement spécial. Quand je parle de traitement spécial, je parle ici des enduits, que ce soit des enduits additionnels ou des enduits directs, de faire un bon traitement afin de rendre les murs suffisamment lisses avant de poser le type de peinture qui convient à leur porte-monnaie, que ce soit des peintures mates ou des peintures satinées ou des peintures brillantes. Nous les fabriquons tous et de très très bonne qualité à un prix excessivement abordable. Donc il faut retenir que vous êtes situé à Makepe au niveau de Marie Lumière. Pour le moment, vous êtes également à Bonapriso en face Atlantic Bank. Ce fut un très grand plaisir de faire cet entretien avec toi. On est ensemble. Le plaisir est naturellement partagé, merci. Ok, mesdames et messieurs, merci d'être resté jusqu'à la fin de l'émission. Nous étions avec Zamako Epakom, comme vous l'avez entendu à l'entame, c'est un ingénieur en peinture de bâtiment. Nous vous donnerons certainement rendez-vous dans les prochains jours pour une autre édition. Restez toujours connectés sur MyFrica TV et n'oubliez jamais d'inviter vos amis à s'abonner sur la page parce que c'est la page qui ne vous laissera échapper aucune actualité. On est très ensemble, la page inspirante, c'est votre YouTube MyFrica TV. À très bientôt.